et sa bande. Niak Barano et sa bande. Laissez Nathalie quoi tranquille. Niak et sa bande. Laissez Nathalie quoi tranquille. Laissez les enfants là tranquille. Si la politique vous a dépassé, vous voulez venir verser votre haine sur les enfants d'autrui. Laissez les enfants là tranquille. Niak, Niak avec ton gros ventre. Laissez les enfants là tranquille. Ils ne vous doivent rien. Vous laissez les ministres du gouvernement entrer ici. Vous laissez les ministres du gouvernement entrer ici. N'est-ce pas, vous dites que vous parlez pour le peuple, dame chute. Vous laissez les dirigeants du Cameroun entrer ici tous les mois, tous les jours. Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Vous croyez qu'on n'est pas au courant que les membres du gouvernement viennent en bain? Donc comme eux, ils vous surdoient, comme ils arrivent à vous surdoyer, hein? Vous venez vous en prendre aux petites filles. Vous croyez qu'elles vont vivre de quoi? Qui a même la parole au Cameroun là-bas? Vous demandez à NK et Muriel Blanche de parler. Elles vont dire quoi? Qui va les écouter au niveau du Cameroun? Elles n'habitent pas en diaspora. Hein? C'est ça que vous ne comprenez pas. Ces jeunes filles n'habitent pas en diaspora. Elles habitent au Cameroun. Et personne ne peut. Je dis bien que en allant au Cameroun, c'est différent. Aller au Cameroun, c'est différent. Si les Camerounais même qui vivent dans la misère, qui vivent la guerre tous les jours au nord-ouest et au sud-ouest, ne sont pas capables de se lever et de dénoncer. Vous croyez que c'est Muriel Blanche et Nathalie quoi qui vont faire quoi? Ils vont faire un poste sur leur mur, ça va changer quoi? Il faut que vous arrêtez votre hypocrisie là, vous apprendre à tout le monde. Et pourtant, quand les ministres viennent ici, ils vous donnent quelques milliers d'euros, vous prenez et vous vous taisez. Et après, vous êtes les premiers à venir dire que vous parlez pour le peuple. Quel peuple? Quel peuple? Remplissez-vous le ventre comme vous avez toujours fait et fichez la paix aux petits jeunes, à nos jeunes battants et battantes. Fichez-leur la paix, dis donc. Mais ce sont les Bakis, ça même. Pas si loin, n'est-ce pas, il y a un autre. Allez en Suisse, n'est-ce pas, il y a un membre du gouvernement qui était malade, hospitalisé là-bas. Le nombre de fois que Niak Ndjifendi vient ici en France se faire soigner. Vous êtes allé faire le bruit là-bas, l'indignation sélective. Toujours à taper sur les plus faibles. Toujours à taper sur les plus faibles. On a vu votre manipulation. On a vu votre jeu. Parce que même les nous autres, moi Élise, j'étais prête à vous suivre. J'étais prête à mouiller mon maillot avec vous. Mais on a vu que pour vous là, c'est l'argent. C'est l'argent. Dès qu'un membre du gouvernement arrive ici, on vous donne des miettes. On vous donne des miettes, vous les laissez tranquilles. On n'est pas au courant. Il y a des missions diplomatiques tous les mois entre la France et le Cameroun. Vous croyez que nous sommes bêtes? Vous croyez que nous sommes bêtes? Nous le savons tous. Chaque mois, il y a des généraux, des colonels, des ministres, des agents de l'administration camerounaise qui entrent en France. Qui entrent en France, viennent faire ce qu'ils ont à faire, signer même des contrats. Vous êtes où? On vous voit. On vous voit, n'est-ce pas? Vous avez dit que vous voulez taper sur le gouvernement. Que c'est le gouvernement qui fait mal leur travail. Muriel Blanche travaille dans le gouvernement. Nathalie Kouah travaille dans le gouvernement. Oui, toujours à vous en prendre aux plus faibles. Voilà, c'est ça que vous appelez révolution. Révolution du ventre. Révolution du ventre. Vous croyez qu'on n'est pas au courant parce qu'on ne parle pas, parce qu'on a trop peur de vous? Vous allez même faire quoi à qui ici là? Vous allez faire quoi aux gens? Vous croyez qu'on a peur de vous parce qu'on ne parle pas? Ça veut dire qu'on a peur de vous, hein? Vous croyez qu'on ignore les manigances que vous faites derrière? L'argent que vous prenez aux membres du gouvernement quand ils viennent en France, on connaît tout ça, hein? On connaît tout ça. Parce qu'on ne dit rien. Parce qu'on ne dit rien. Au début, nous avons tous adhéré. Au début, nous avons tous adhéré. Même le peuple camerounais vous a suivi. Et nous autres de la diaspora, beaucoup étaient prêts à vous suivre. Mais vous nous avez montré que, en bon camerounais, vous êtes tous des fémanes et des fémanias de nga. Voilà, vous voulez manger, vous êtes là, vous embrouillez les pauvres petits, deux, trois personnes qui vous suivent encore dans votre bêtise là. Vous êtes là tous les jours, les ministres entrent. Dès qu'on vous donne les quelques milliers d'euros, vous fermez vos bouches. Les petites filles comme Nathalie Kouah et Muriel Blanche, c'est votre niveau. Parce qu'elles n'ont pas la parole. Mon Dieu, si j'étais à Paris, tchap tchap, j'allais d'abord t'attraper. Oh,
Je te dis que si j'étais à Paris, si j'étais à Paris, je n'aime pas le faux. Je n'aime pas les gens qui tapent sur les plus faibles. J'ai horreur de ça. Les enfants là ne vous ont rien fait. Fichez-leur la paix. Fichez-leur la paix. Vous avez compris? Wow, wow, révolution. Bon, bon, la révolution de ça. Révolution de manioc. Révolution de patates. Révolution d'escroquerie. Vous voilà que vous faites pire que les membres du gouvernement. Il suffit qu'ils vous payent. Dès qu'on vous sudo un peu, dès qu'un ministre doit venir, dès que vous entendez qu'il est là, vous partez faire le sissia. Vous partez faire le bruit. On vous donne quelques milliers d'euros. Ce n'est pas toujours l'argent du Cameroun qu'on vous donne là. Mamie, mes frères et sœurs, ce n'est pas toujours l'argent du Cameroun qu'on vous donne. C'est l'argent des Camerounais qu'on vient vous engraisser ici. Niati travaille où? Regarde comment tu es gros. Regarde comment tu es bien gras. Est-ce que tu souffres? Tu ne souffres pas? C'est normal. C'est normal. Hein? C'est normal. Parce que tu ne souffres pas. Parce que tu as trouvé le meilleur moyen d'escroquer sans te salir les mains. Oui, dès qu'on vous annonce à l'aéroport, vous avez vos têtes pensantes là-bas. Vous avez vos têtes pensantes à l'aéroport. Que ce soit à l'aéroport de Douala, que ce soit à l'aéroport de Nsimalen, vous avez vos têtes pensantes. Dès qu'il y a un membre du gouvernement qui monte dans l'avion, vous êtes au courant. Vous êtes au courant, on vous informe. Vous partez faire votre sale besogne. Vous allez là sissier un peu. On vous donne une enveloppe. Vous partez, vous rentrez chez vous. Et après, maintenant, vous voulez venir voir que comme c'est trop NK. Comme c'est trop NK et Muriel Blanche, des petites filles qui se battent aussi pour payer leurs factures, des petites filles qui se battent pour se nourrir. Le Cameroun est facile, vous ignorez, c'est pas parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti au Cameroun. Hein. Moi je vous dis que le Cameroun que vous voyez là n'est pas facile et les Camerounais ne sont pas faciles. Les seuls gens qui peuvent se faire sortir de la merde du Cameroun, ce sont les Camerounais. Mais les Camerounais du Cameroun, avec notre aide, on ne peut que être derrière eux. Mais hélas, eux-mêmes ils ne disent rien, eux-mêmes ne se lèvent pas, eux-mêmes ne font rien, ne s'indignent pas. Et c'est sur les petits-enfants que vous voulez aller trop montrer votre force. Maman, le combat du buzz, le combat du buzz de ça, vous avez trouvé vos moins chers. Le combat du buzz. Parce que vous voulez faire parler de vous. Le buzz de ça. Oui, l'indignation du buzz. Et vous croyez qu'on va être content de vous et que les gens ne vont pas parler parce que vous êtes les mêmes les bakis. Hein? L'indignation sélective. Tous les jours, les ministres sont là. Tous les jours, les directeurs de société sont là. Tous les jours, les membres du gouvernement sont là. Hein? On vous dit que si on ne donne pas le visa aux plus pauvres au Cameroun, on ne donne pas le visa aux membres du gouvernement. Mais ça va bien. On vous dit ça. Que si on ne donne pas le visa aux plus pauvres du Cameroun, ça veut dire que on ne donne pas le visa aux membres du gouvernement. N'est-ce pas, ils viennent ici. On vous voit. La sélection de ça. Vous partez où ça va faire le buzz. Vous partez où ça va faire le buzz. Vous allez vous en prendre aux petites filles. Et vous dites que vous parlez pour le Camerounais. Quel Camerounais? Quel peuple Camerounais? Quel peuple Camerounais? Le statut que Nathalie Nkwa et Muriel Blanche au Cameroun, elles ont là. Beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons ont ça au Cameroun. Beaucoup. Mais vous pensez vraiment que leurs paroles, ils vont dire quoi? Au niveau du pays. Ah bon? Ils vont venir se cacher ici en diaspora et souffrir avec nous comme on souffre là. Si elles peuvent se débrouiller au niveau du pays et montrer qu'en restant au pays, tu peux aussi réussir et avoir une vie de rêve. Laissez-leur montrer ça à la jeunesse du pays puisque nous-mêmes ici là, nous sommes incapables de leur faire comprendre ça. Nous-mêmes ici, nous sommes les premiers à aller vendre le rêve. Maman, le rêve de ça. La pitiation fauna. Le combat des plus faibles. Un combat. Vous êtes comme le gouvernement. Vous êtes comme le gouvernement du Cameroun. Vous êtes comme eux. Vous tapez toujours sur les plus faibles. Les gens sont ici, ils viennent, ils vous dépassent. N'est-ce pas? Vous avez dit que la France, l'Europe, c'est votre territoire. Vous avez dit que l'Europe, c'est votre territoire. Comment ça se fait que les membres du gouvernement viennent ici? On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Hein?
Ils sont là nombreux, ils viennent, ils signent des contrats. Des contrats qui ne vont même rien servir au peuple camerounais. Est-ce qu'on vous voit? On ne vous voit pas. Vous voyez deux petites filles qui viennent se chercher, qui viennent se faire un nom, qui viennent montrer à la jeunesse restée au pays que même étant au pays, on peut y arriver. Kounia, 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 avec vos grosses fesses, avec vos gros ventres, celui qu'on appelle Nia, tchap tchap alors, avec sa grosse bouche, tchap tchap. Si j'étais au Cameroun, maman, si j'étais là-bas, tchap tchap, parce que tu m'as dit hier que tu vas commencer à nous boycotter, nous les influenceurs, je t'attends. Tente de me boycotter, tchap tchap. Je vais attraper ta grosse bouche là et je vais attacher ça comme le mets de pistache. Parce que trop, c'est trop, vous commencez à nous faire chier là. Hein? Vous commencez vraiment à nous faire chier. Apprenez-vous au plus fort. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Apprenez-vous au plus fort. Laissez les faibles. Laissez les petits jeunes qui se cherchent. Mais on va où là? Après, vous allez dire que oh, on combat pour le Cameroun. Quel Cameroun? Vous faites pire que les membres du gouvernement. Le gouvernement camerounais ne s'en prend qu'au plus faible. Hein? Ne s'en prend qu'au plus faible, le gouvernement camerounais. Il ne s'en prend qu'au plus faible. Qui va parler fort? Allez parler fort au Cameroun si vous êtes les gens. Allez parler fort au Cameroun. Qui a la parole dans ce pays? Même la liberté d'expression, quand on dit que wow, liberté de la démocratie de mes fesses. Au Cameroun, tu parles fort, on te botte le pied au cul, on te fout en prison. C'est facile. Vous dites que vous avez sacrifié vos vies. Qui vous a même? On vous a d'abord envoyé sacrifier nos vies. Hein? On vous a envoyé sacrifier vos vies pour le peuple camerounais. Hein? Les Camerounais vous ont dit, depuis alors que vous avez sacrifié vos vies là. Depuis que vous avez sacrifié vos vies, qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Qu'est-ce qui a changé? La guerre du Nord est toujours là. Du Nord-Ouest, elle est toujours là. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez sacrifié vos vies? Si on compte les milliers d'euros que vous avez mis dans les poches, est-ce que vous travaillez? On peut comprendre pourquoi vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas pourquoi? Parce que vous-même, l'argent qui devrait servir au peuple camerounais, vous vous en mettez plein les poches ici en douce. Mamie, moi-même, je voulais venir entrer là-bas. Vous savez que moi, quand j'entends qu'il y a l'argent quelque part, j'ai dit que moi aussi, je viens entrer là-bas pour que quand ça vient comme ça, on prend même 10 000 euros, on me donne 6 500 000, mamie. J'ai ça. Tous les jours, j'allais être à l'aéroport en train de pour chasser ces gens-là. Si on me donnait ma part. Hein? Mais vous venez ici, vous mangez en douce derrière, bac, et vous venez mentir les Camerounais Mboutoukou. Parce que l'homme camerounais, alors, on ne peut plus Mboutoukou comme Camerounais, il n'y a pas. Mbout! Il se dit, oh, c'est bon, oh, c'est bon, oh, on les chasse, ils sont contents. Vous êtes contents qu'on nuit aux petits-enfants? Vous êtes contents qu'on nuit à la jeunesse? Hein? Vous êtes contents qu'on nuit à la jeunesse? Et vous applaudissez, vous encouragez parce que quoi? Parce que vous êtes jalouse. Vous êtes jalouse de deux jeunes filles qui sortent de nulle part. Hein? Deux jeunes filles qui sortent de nulle part, qui sont en train de grimper les échelons. C'est la jeunesse de demain. C'est la jeunesse de demain, ça. Voilà des gens qui doivent, le moment venu, au lieu qu'on les caresse au sens du poil, parce que ce sont ces jeunes-là. Les bas Nathalie, quoi, les bas Muriel Blanche. Le moment venu, quand on va vraiment dire que, quand l'homme camerounais va dire qu'il veut le changement, voilà les gens qu'on devra flatter pour leur faire comprendre que c'est le moment ou jamais qu'on veut le changement. Ça va arriver, je vous dis ça, mes frères et sœurs. Le moment venu là, quand le moment du changement va arriver, on va pleurer Nathalie Nkwa et Muriel Blanche parce qu'elles auront la parole. Elles sont suivies par les jeunes filles et les jeunes gars. Elles font rêver. Elles donnent envie que les jeunes. Mais le moment venu là, quand elles vont dire que c'est maintenant, le changement du Cameroun c'est aujourd'hui. Je vais vous dire que ce que vous faites là, vous les combats cons là, ce que vous faites là, vous ne pourriez même pas lever un seul doigt du peuple. Mais je peux vous dire que ces jeunes filles là, ces jeunes filles que vous combattez aujourd'hui là, elles ont le pouvoir, mais à l'avenir, pas tout de suite, elles ont le pouvoir de lever les jeunes au Cameroun. Le moment venu, quand elles vont l'ouvrir, quand elles vont l'ouvrir, les jeunes seront de sortie, la jeunesse va sortir, mais pas vous, vous et moi si, les corom comme vous, Niat finit même une bouteille de whisky, moi-même là-bas je finis une autre bouteille, vous et moi nous sommes pareils ici à Meng. Tu bois, je bois. Tchap, tchap, toi-même, tu enfiles aussi ta part de gens.
vous venez ici, venez des Nathalie quoi, et Myriel Blanche, 0000. Zéro quoi? C'est des, elles sont aussi victimes du système du Cameroun, hein? Ne l'oubliez pas, hein? Ce sont aussi des victimes, hein? Mais qui essayent de s'en sortir comme elles peuvent, hein? Hein? Elles sont des victimes qui essayent de s'en sortir comme elles peuvent. Arrêtez-moi ça vite fait, bien fait. Allez vous en prendre aux membres du gouvernement que vous êtes devenus là, là. Va, Jojaya. Quand quelqu'un te donne l'argent pour que tu ne la merdes pas là. Qui sont devenus vos sponsors? Ils sont devenus, les membres du gouvernement sont devenus vos sponsors. Wow. Regarde Nia. Nia est déjà comme un petit cochon bien gras. Le ventre de ça, les fesses de ça, les joues de ça. Quand il crie, même il a du mal à respirer. Tchap tchap alors là-bas. Tchap tchap tes deux sacs que tu vends là. Arrête de leurrer les yeux des gens que tu dis que tu vends les sacs. Tu ne vends aucun sac. Tu as ta part. Tu as ta part dans l'histoire de que vous escroquez. Vous escroquez les membres du gouvernement. Vous leur faites le chantage. Vous leur faites le chantage. Vous croyez qu'on ignore tout ça? Parce qu'on ne parle pas. Hein? Parce qu'on ne parle pas. Est-ce qu'on ignore que vous escroquez les membres du gouvernement quand ils arrivent ici? C'est, vous êtes trop fort sur Nathalie quoi, et Muriel Blanche. Maman qui m'envoie à Paris. Voilà ma faute. Il fallait me prendre. J'allais venir à Paris là-bas aujourd'hui. J'allais d'abord attraper Tchap Tchap. Tchap Tchap, j'ai ton macabo. J'allais d'abord t'attraper toi Tchap Tchap là. Que te dis que tu laisses ma fille tranquille. Tu ne peux pas faire que tu bouilles avec un Yaoundé. Tu bouilles avec un Yaoundé à la maison et tu vas menacer tes belles-sœurs. Vous ne pouvez pas menacer vos belles-sœurs. Nathalie, quoi, c'est votre belle-sœur. C'est votre belle-sœur. Oh, je dis, j'assume. Vous n'allez rien me faire. Et celui qu'on appelle Nia, lui-même, sa femme est quoi? Donc, vous êtes le genre qui tapait sur vos belles familles, quoi. Laissez les enfants tranquilles, dis donc. Au bruit de ça, le buzz. En fait, ce qui me fait rire, c'est que vous utilisez ces enfants pour faire le buzz. Mais pourtant, pas derrière. Vous voulez qu'on compte? Est-ce que vous voulez qu'on compte le nombre de membres du gouvernement actuellement et qui vont arriver pour faire passer les fêtes ici avec leurs enfants? Vous voulez qu'on compte le nombre des membres du gouvernement qui vont arriver en France, passer Noël avec leurs enfants? On va vous voir alors. Est-ce qu'on va vous voir? Ça va passer inaperçu. Mais comme Nathalie, quoi, elle est influenceuse, Muriel Blanche, une autre influenceuse, c'est où vous partez taper sur les gens faibles. Oui, les gens qui n'ont même pas la parole. Hein? Oui, oui. Pourtant, il y a les membres du gouvernement, ils ont déjà tous les visas. Hein? Ils vont venir passer Noël ici avec leurs enfants qu'ils envoient faire des études ici. Ça, on n'entend pas parler, on ne vous voit pas. Mais quand il faut gna 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 gna, Nathalie quoi, il faut écouter alors gna gna quand il dit Nathalie quoi, Nathalie quoi, Nathalie quoi, Nathalie quoi de mes fesses, laisse l'enfant de cuit gna gna, laisse l'enfant de cuit, laissez-la tranquille. Mais ça va, vous êtes même les qui, que les qui ont même peur de vous ici. Dis donc, vous vous en mettez plein les poches quand je vous vois bien grossi et grassi comme vous êtes là. Vous grossissez et grassissez pourquoi? Vous grossissez et grassissez parce que vous arnaquez les membres du gouvernement qui viennent en France. Oui ou non? Quelqu'un peut me dire que ce que je dis est faux? Est-ce que ce que je dis est faux? Vous arnaquez l'argent des membres du gouvernement qui vous surdoient avec là. L'argent là ne peut pas aussi servir pour les gens du Nozo et du Sud-Ouest. Maman, la pitiation, on a vraiment le Camerounais. Les Camerounais me dépassent. Il faut alors voir. Un Boutou qui pense trop que oh, il travaille pour c'est pour le peuple. Quel peuple? Eux-mêmes s'engraissent. Les gens ne travaillent pas en vain. Mais ils ont les moyens. Celui qu'on appelle Niat, les bas 140 000 euros, les bas 10 000 euros par-ci, les bas 5 000 euros par-ci, par-là. Vous voulez que je vous dise vraiment? On leur donne de l'argent. Oui. Certains membres du gouvernement cèdent au chantage. On leur donne de l'argent pour que, quand ils arrivent ici, ces gens-là ne partent pas faire le bruit où ils se trouvent. Et vous les laissez aller s'en prendre aux petites filles. Aux petites filles qui sont en train de montrer aux autres petites filles du pays que vous pouvez vous battre et y arriver. Que le rêve est permis. Nathalie,
Ligua travaille dans quel gouvernement? Muriel Branche travaille dans quel gouvernement? À cause de votre énième boycott là, même la basse là-bas, vous êtes tous en débandade dans votre groupe là. Vous avez déjà créé des petits groupes. Vous visiez entre vous ici. N'est-ce pas, on voit ça? Vous croyez que moi, Elisa, je ne vois pas? N'est-ce pas, je suis ami avec vous tous là? Je suis ami avec vous tous dans Facebook, non? Je vous vois comment vous fusillez les combats d'égo de ça. Tel est plus que tel, tel a plus de vie que tel. On dirait que nous autres, on croirait nous voir, moi et mes gens à moi. Hein? Mais vous qui avez fait rêver le Cameroun, moi-même si vous m'avez fait rêver, je vous ai toujours mis en haut en disant que oui, voilà les gens qui ont mis le président pour lui faire comprendre que, et ce n'est jamais arrivé, il y a au bout de 40 ans, aucun groupuscule n'a eu ce courage-là. Moi-même, Élise, je vous ai mis en haut pour ça. J'ai dit que voilà, quand on lui tape sur la poitrine, on lui dit que non, monsieur le président, non, pendant que le Cameroun misère, ne venez pas. Moi-même, si j'étais contente de vous, mais à la lue que vous faites là, hein, mamie, je ne suis plus là, je ne suis plus contente de vous. Parce que vous faites comme les membres du gouvernement. Vous vous en prenez aux plus faibles. Et ça, je vous dis non. Je vous dis que je ne suis pas d'accord. Oui pour la dénonciation, oui pour les membres du gouvernement. Mettez-leur le feu au cul. Là, je suis d'accord avec vous. Mais ne vous en prenez pas aux non-aimes. On parle des non-aimes. Ça, ce sont les non-aimes. Vous parlez des non-aimes. Ils ont quoi à dire, ils ont quoi à faire. Elles-mêmes, tu parles au Cameroun, tu parles au gouvernement camerounais tous les jours. Et tu mal tous les jours et on ne te fait pas disparaître, on ne te met pas en gâte. Mais vous parlez même de quoi? Vous connaissez même le Cameroun? Maman, je crois que quand vous avez vendu vos âmes au diable ici là, vous avez trouvé votre moyen de manger l'argent du Cameroun sans même prendre l'avion. Mieux de vous. Maintenant nous tous on a ouvert les yeux, maman. Nous tous on a ouvert les yeux. Vous exagérez. Vous ne pouvez pas avoir des allus de maquisard envers les vôtres les plus faibles. Si le gouvernement fait ça, pourquoi vous aussi vous faites ça? Des non-nèmes. Des non-nèmes comme Nathalie Nkoua et Muriel Blanche. Des non-nèmes. Si vous faites été ici, on vous a vu. Si vous faites été ici, est-ce que vous avez même bronché? Voilà un autre qui collabore avec le gouvernement au vu et au su de tous. Steve Fakole collabore avec le gouvernement au vu et au su de tous. Pourquoi il était ici? Combien de fois il est déjà venu? Vous avez parlé boycott. Vous avez... Comme ce sont les femmes. Comme ce sont les femmes. Des petites filles. Vous allez montrer vos muscles. Ou Nyat veut seulement que Nyaska avec Nathalie Nkoua, je ne sais pas. Tu crois que tu vas gnasser avec toutes les femmes de notre pays qui sont valables? Tu as envie de la gnasser, tu es amoureux d'elle. C'est sûr que quand on voit ta femme, il n'y a pas photo, hein? Hein? Vous venez embrouiller les gens, ils disent boycott. Je vous dis qu'un jour, nous-mêmes, on va se retourner contre vous, on va vous boycotter. Et à jouer. Je vous dis ça. Un jour, nous-mêmes si, nous les citoyens de lambda, nous les voix des gens de sans voix, un jour on va se retourner contre vous et nous-mêmes on va vous boycotter pour vous dire que mes frères, mes soeurs, on a cru en vous. On a cru en vous. Beaucoup de gens étaient fâchés ici là que vous mettez la pression au président de notre pays. Mamie, j'étais parmi les gens qui disaient que enfin, donc on pouvait faire ça. Donc les gens pouvaient se lever fort et parler à notre président et dire qu'on le chasse en bain. Donc on pouvait faire ça. Alors on va faire ça pour tous les membres du gouvernement. Vous êtes passés par derrière, dans les bacs, commencer à sudoyer l'argent là-bas, prendre l'argent en douce. Et vous voulez que les gens comme Élise, moi qui est prête à tout perdre, qu'on me dit que si on m'interdit même le Cameroun, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je serai apatrie. Hein? Mais vous, derrière, vous prenez l'argent, vous mangez. Vous ne m'avez jamais appelé hein, pour dire qu'Élise vient même prendre. Élise vient même prendre 500 euros. Jamais! Jamais! Je me suis mise à dos. Toute ma famille est quand? Parce que j'ai dit que ce que vous faites,
Franchement, si c'est pour le peuple, je suis d'accord avec vous. Hein? Toute ma famille est quand c'est mis à dos contre moi. Je me suis retrouvée seule face à eux. Hein? Vous croyez que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile d'ouvrir sa bouche et de dire que oui, pour une fois, je suis d'accord? Monsieur le Président, franchement, s'il y a la misère au Cameroun, s'il y a tout au Cameroun, c'est à cause de vous. Vous croyez que c'est facile? Et que c'est un patriarche et quand? Vous croyez que c'était facile pour moi d'ouvrir ma bouche et de dire ça que j'accepte votre idéologie ou idéologie en faisant comprendre que zéro membre du gouvernement à la diaspora. Hein? Zéro membre du gouvernement à la diaspora. Je suis là, j'ai mouillé mon maillot. J'ai mouillé mon maillot pour dire ça. Et pas derrière, vous passez, vous prenez les. Vous prenez la. Oh, la dimension, ma petite soeur chérie d'amour. Bonjour. Bonjour. Et encore mes condoléances, ma petite soeur. Je t'aime beaucoup, tu sais. Hein? J'ai mouillé mon maillot. Toute ma famille est cancer versée sur mon dos, mamie. Maman, j'ai souffert. Les injures de ça. Les insultes de ça. Les caricatures de ça. Maman. Hein? Vous croyez que c'était facile pour moi? Hein? Vous croyez que c'était facile? Parce que j'ai cru que le fait de vouloir le bien du peuple, il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à vouloir le bien du peuple. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus les détracteurs du peuple. Vous êtes devenus les détracteurs des plus faibles. Et là, moi, je vous dis que mes frères et sœurs, je ne suis plus d'accord avec vous. Je ne suis plus d'accord. On ne fait pas la révolution du buzz. Vous êtes en train de faire la révolution du buzz. La révolution du buzz, il en est hors de question. Moi, j'ai pris des coups. J'ai pris des coups ici sur les réseaux sociaux. J'ai pris des coups parce que j'ai dit que oui, il faut qu'on se lève tous. J'étais prête à ramener certains récalcitrants des écans qui désirent au changement, qui désirent un Cameroun nouveau. Je gueulais ici, là, sur les réseaux sociaux. On m'insultait tous les jours, on me caricaturait tous les jours. Ma propre famille m'a jeté en pâture. Et au jour d'aujourd'hui, une petite fille comme Nathalie quoi, et Muriel Blanche arrive pour se chercher. Pour se chercher, vous êtes là, vous dites que vous partez les empêcher de faire leur petite vie. C'est de ça qu'il s'agit, de faire leur petite vie, de se faire deux, trois sous. Hein? Vous Et vous voulez que moi après je vous dis que votre combat est noble. Non, si votre combat s'est transformé à pour chasser les plus faibles, je ne suis pas d'accord. Quand vous chassez les mastodontes du Cameroun, j'applaudis. Moi-même j'applaudis, j'assume. J'applaudis, je dis que oui, avec ça, ça va changer. Moi-même, si je n'ai pas dit quoi ici aux élites de chez moi, que ce sont des bons à rien, ils ne foutent rien, ils devraient faire comme les gens, les élites de l'Ouest. Il faut que nos cantons à nous aussi changent, machin. Maman, on m'a fait ça ici, là. On m'a fait ça ici. Et au jour d'aujourd'hui, vous donnez l'impression que vous êtes les détracteurs des plus faibles. Vous prenez chez les gourous des Camerounais, parce que moi j'appelle ça comme ça, les membres du gouvernement, c'est les gourous des Camerounais. C'est là-bas que vous prenez l'argent, vous vous mettez les poches, vous n'allez pas leur déranger dans les hôtels et dans les appartements privés, dans les grandes villes de. C'est qui m'appelle là? C'est qui? Je ne peux pas décrocher, je suis en ligne. Mais si c'est pour m'appeler pour que ça me bloque mon direct, je ne suis pas d'accord. Je vais te rappeler tout à l'heure. Si c'est pour passer les commandes, je vais rappeler. Pour l'instant, je suis en ligne. D'ailleurs, je vais même arrêter la vidéo. J'ai déjà trop parlé. Si vous devenez les gourous des plus faibles Camerounais, c'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas aller là-bas, vous prenez, on vous donne. Combien de membres du gouvernement viennent ici en France? Vous croyez qu'on est fou, qu'on n'est pas au courant? Combien de membres du gouvernement viennent ici en France? Voilà décembre. Voilà décembre, ils ont déjà tous leur visa pour venir passer les fêtes de Noël avec leur famille et les enfants qu'ils ont envoyés faire des études. On vous voit. C'est Nathalie quoi? Une petite fille d'hier. Et Muriel Blanche, une petite fille d'hier. La révolution du buzz. La révolution du buzz de ça.
la révolution du buzz de ça, vous nous avez dessus. En tout cas, moi personnellement, j'ai été dessus. Parce que les mastodons viennent, vous ne faites rien. Les petites filles viennent, vous voulez trop dire que oui, ce sont elles qui vont changer le Cameroun. Pas maintenant, mais plus tard. Laissez-le un peu de temps, ça va arriver. Parce que voilà les gens qui vont mettre, la jeunesse camerounaise dans la rue, demain ou après-demain. Les Nathalie quoi, et les Muriel Blanc, tous nos petits jeunes en vue là, ce sont eux qui vont mettre les jeunes dans la rue le moment venu. Pour l'instant, laissez-leur tranquille, que chacun fasse de son mieux. Allez, à plus tard.